famille. Et nous prions que ce que tu as voulu faire pour eux, que cela soit fait. Que rien ne puisse arrêter cela. Que rien. Et la plus grande richesse spirituelle d'un homme, c'est sa valeur spirituelle, sa relation, la qualité de sa relation avec le Seigneur. Que cette relation avec le Seigneur ne soit pas troublée par quoi que ce soit. Comme il a dit dans sa prière, que le Dieu même de la richesse, et la soie de notre richesse, parce que la véritable richesse vient de Dieu. Ce n'est même pas le Dieu de la richesse, le Dieu de la séduction. Que ce Dieu-là ne s'approche pas d'eux. Ni d'eux, ni des enfants. Parce que l'un des défis aujourd'hui en Europe, c'est de pouvoir élever les enfants qui reflètent la valeur de Dieu. Les gens ont changé les dons, les choses. Au point où les enfants sont dans un canevas qui les contraint à mettre en marche la valeur du diable, je pourrais dire. Alléluia. Que les enfants reflètent la valeur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ce qu'ils veulent faire, qu'ils puissent le réaliser. Non seulement là-bas, mais ici. Et devant la voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur, demande la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Nous bénissons Joshua. Nous bénissons Blessing. Nous bénissons Caleb. Nous bénissons la diaconesse Cambrie. Et nous bénissons le diacre. Nous les bénissons de la bénédiction d'en haut. La Bible déclare que l'église a les clés. Et les portes que l'église a ouvrir, personne ne pourra fermer. Et les portes que l'église va fermer, personne ne pourra ouvrir. Nous ouvrons le ciel sur la vie. Nous ouvrons les grâces et les faveurs divines sur la vie. Nous ouvrons, Seigneur mon Dieu, les portes de la prospérité sur la vie. Nous ouvrons les portes de la santé sur la vie. Nous ouvrons les portes de la grâce et de la faveur de Dieu sur la vie. Nous ouvrons les portes, Seigneur, la faveur divine sur la vie. C'est que les démons touchés, si c'était mort, que cela retrouve vie, Seigneur. Seigneur, qui ne se mélange point à tout ce que le monde présente, tout ce que l'Occident présente, toutes ces promis du diable. Oh Seigneur, que cela ne s'approche point d'eux, que cela ne les touche point, que toute mauvaise compagnie, tout complot, toute façon dissimulée, nous laisse approcher, Seigneur, pour les séparer, Seigneur, pour les cligner les bras, qu'ils soient vaincus, que les armes de l'ennemi en verra contre eux soient nulles et sans effet, que ta grâce et ta faveur soient le partage. Seigneur, bénis la vie, Seigneur, bénis le ministère, bénis le projet en Côte d'Ivoire, le projet au Québec, et partout, Seigneur, où ils auront à cœur de réaliser, que ta main des grâces les accompagne, que ton esprit les accompagne. Seigneur, tu les distingues, Seigneur, tu les distingues, que tout combat qui va surgir devant eux, Seigneur, qu'il soit vainqueur, que tout ennemi qui viendra par contre par un chemin, s'enfuit par sept chemins, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont allés à Taloua saluer les parents. Ils sont allés à Tekoubé saluer les parents. Ils ont été chez moi. Ils ont été à Bobo. Ils ont été voir beaucoup de personnes. Mais Seigneur, il ne peut pas connaître l'intention de toutes ces personnes. Toi seul connais l'intention de toutes ces personnes. S'il y a des intentions mauvaises, s'il y a quelqu'un qui dans l'ombre projetait, Seigneur mon Dieu, de leur faire du mal, Seigneur, que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Ils ont partagé des terres. S'il y a des gens animés de mauvais esprit, tu voulais, Seigneur, travailler cela contre eux. Que tout cela, Seigneur, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qu'ils ont touché, tout ce qui les a touchés, soit sanctifié par ton sang. Je bénis au nom de l'Église et de Jésus-Christ cet avion qui vont prendre, les avions qui vont prendre. Je bénis le voyage. Et je prie qu'ils arrivent avec joie. Amen. Pour qu'ils reviennent avec d'autres témoignages. Amen. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la victoire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la victoire? Alléluia. Alléluia.
Voilà. Donc, quand ça connaisse, il faut donner un dernier son. Quand c'est temps de le voir, dans le micro. Voilà. Dernier son. Ne manquez pas de les signifier pour que les dates là soient harmonieuses. Si tu projettes un mariage, même si c'est dans 2 mois, dans 3 mois, il faut le dire. Par exemple, le 12 novembre, il y a un mariage. Puisqu'ils m'ont dit qu'il y a un mariage, Kouai devait avoir un programme entre le 12 novembre, je leur ai dit non. Je leur ai envoyé ça au 6. En août, le 27 août, quelqu'un a signalé aussi, on attend que tout soit clair. Donc si vous ne signalez pas, que vous venez à la dernière minute, que ça coïncide un programme, on sera obligé de reporter, même si tu as mis à la mairie. Donc avant de faire cette démarche, vous venez pour qu'on puisse harmoniser les programmes. Il y a tel jour qui est pris, tel jour qui est pris. Si toi tu veux prendre ça, tu peux prendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que ça soit clair. Donc dimanche prochain. On devait les surprendre, mais il y en a qui ne sont pas, ne vont pas venir. Dimanche prochain, on va faire le point du social. Mais il faut venir à l'église. Parce qu'il n'y a pas même rendu ton nom, il peut en noter. Que le Seigneur nous bénisse. Avec toi. Ancien Jésus est déjà prêt, il va t'aider, t'en fais pas.